D'abord en réparant et en restaurant des couteaux par le biais au radeur en fait. Et après petit à petit, du coup, alors, au Pinel, je commence à faire justement en Pinel. J'ai une rencontre avec Christophe Audit et l'homme de Sam qui m'a fait faire une exposition. Et ensuite, j'ai reçu la chance de rencontrer Philippe Bourri qui m'a montré d'autres aspects des couteaux. Le couteau, c'était pas simplement l'objet utile en fait, au final, ça pouvait être aussi l'objet artistique. J'ai la chance de rencontrer un ferrailleur brocanteur qui s'amusait de restaurer, il trouve une vieille lame. J'ai connu ça pour faire un couteau, le restaurant du couteau. Donc il m'a appris ce qu'il savait déjà lui-même. On a vraiment fait des liens, en fait, c'est de, à la base de vraiment faire revivre des anciens objets ou simplement de prendre un meuble et de monter sur une lame pour transformer quelque chose qui ne sert plus à grand monde, en fait, en faire quelque chose de chargé de souvenirs. Les matières, j'utilise à peu près tout ce qui existe, ça peut aller de la racine de bambou, comme le micarta, les planches à découper, carte mère, boîtier d'ordinateur, bois de famille, un tabouret, une chaise, garde-boue d'arrêt aussi, j'en ai fait quelques-uns comme ça. Et après, j'utilise aussi tous les autres. J'ai fait quelques couteaux en anse de potioc. Et après, tout ce qui est bois traditionnel, avec une petite préférence quand même pour les bois précieux. Quoi. Après, les inspirations, n'importe quoi, ça peut être une branche d'arbre, une fois que j'ai vu et je pars dessus et je m'amuse avec en fait. Après, ce qui m'amuse le plus, c'est soit la restauration, parce que c'est vrai que j'adore restaurer un couteau qui a du vécu, même si c'est pas forcément le plus simple, ou vraiment la création, marqueterie, sculpture. J'ai quand même une préférence pour la customisation, partir d'un couteau qui existe déjà et le transformer. Ça m'amuse beaucoup plus que faire un couteau de la zèle en fait. Donc, c'est tous les vieux métiers qui m'intéressent, j'essaie de faire pas toujours que tout ça pour la fabriquer. Médiator stylo aussi, j'ai pas mal de stylos plus longs. Ça me prend plus en racine de bambou. Là c'est pareil, j'adore restaurer les vieux stylos plus longs. Les vieux stylos plus longs, le vieux système. En fait, je crois que j'aime bien restaurer tout ce qui est vieux. C'est dommage que mon paquet de ces savoir-faire-là soit en train de disparaître parce que les gens ne cherchent plus. Ça devient très dur, il y a beaucoup de produits qu'on ne peut plus utiliser, il y a beaucoup de choses que tu viens de chercher. C'est avant d'aller à la broderie du coin, t'acheter tes boules de gomme lac, t'acheter tes piquants, tu te fais envoyer les colorés, mais de là. Et puis je trouve vraiment dommage qu'il y ait tellement de. Que ce soit de vieux meubles, de tas de choses qu'on pourrait transformer sur un objet d'art, voilà, un couteau, hein, n'importe quoi, qui partent au feu ou qui sont simplement détruits en déchetterie. C'est un gâchis quelque part. Quoi.